Bonjour à tous, je m'appelle Joël Dicker, je suis écrivain, je suis né à Genève, j'habite à Genève, j'aime Genève, je suis fan de Genève, venez visiter Genève. Alors quand j'ai des amis qui viennent visiter Genève, en général j'aime bien aller à pied, justement pour leur montrer les différents endroits de la ville que j'aime. Je descends la rue de Champoulet vers l'hôtel des Bergues, qui est un vieux bâtiment à voir. De redescendre par la promenade de la Treille, le plus long banc du monde à visiter, de redescendre sur la place de Neuve avec juste à côté le parc des Bastions, qui est un endroit assez sensationnel. Et si j'ai un peu de temps, je continue et je marche jusqu'à Carouge, petite ville sarde qui est très particulière parce que vous arrivez là et vous vous sentez ailleurs. À Carouge, il y a cette architecture très différente, de petits villages italiens presque, à visiter aussi. C'est cette convivialité, c'est pouvoir me retrouver au bord du lac, dans des bars, dans des cafés, avec mes amis. Il y a une qualité de vie assez extraordinaire et qu'on retrouve quand on la visite, dans l'air même, dans ce que les gens sont, avec ces panoramas absolument incroyables, parce que vous regardez le lac, vous avez des montagnes à gauche et à droite, et ces bâtiments assez incroyables aussi. C'est fort, il y a un côté très fort. L'eau du lac, la couleur du lac me manque, hein, qui est cette eau vert, bleu, cristallin. Mais à chaque fois que je vois cette eau, il y a un sentiment très, très puissant qui me parle.